Nous nous retrouvons aujourd'hui sur les rives de la Mer Rouge, en aval de la chaîne du Hejaz, pour un arrêt sur l'une des plus récentes dates ajoutées au calendrier de la Formule 1. Jeddah est aujourd'hui l'hôte du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Jetons un œil, si vous le voulez bien, à la topographie du circuit urbain de Jeddah. Comme vous pouvez le constater, les pilotes devront venir à bout d'un certain nombre de virages assez difficiles. Il va être intéressant d'observer quelles seront les écuries capables d'exploiter au mieux les données accumulées lors des séances d'essais libres. Et comme c'est le cas sur beaucoup de circuits urbains, les erreurs risquent de se payer très cher. Espérons tout de même que la voiture de sécurité n'aura pas à intervenir ce week-end. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. L'as du volant part en pole position et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Leclerc, Verstappen, Sergio Pérez et Hamilton, Russell, Norris, Bottas et Esteban Ocon, Fernando Alonso, Magnussen, Mick Schumacher et Gasly, Tsunoda, Zhou, Alexander Albon et Sébastien Vettel, Stroll et Nicolas Latifi. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ? Eh bien, j'imagine qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. On a fini dans les points la dernière course. Il faut continuer sur notre lancée. Ils sont pas sérieux, Ferrari, là.
Infocourse. Tu es en première position, tu mènes la course. Sainz derrière. Notre avance sur la voiture de derrière est de 2,0 secondes. Ils ont de nouvelles gommes tendres. La fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans 2 tours. 11 tours restants. Infocourse. Tu es en tête, premier. Sainz est derrière toi. L'écart avec la voiture derrière nous est de 2,8 secondes. Il chauffe des pneus tendres usés. La fenêtre d'arrêt au stand s'ouvre dans le prochain tour. Plus que 10 tours restants. Aucun problème avec cet arrêt, c'était très fluide et l'écurie McLaren peut être fière. C'est le moment de hausser le rythme pour faire chauffer les gommes. Oh, c'est con ça. Ah mais Yuki, il laisse pas de place surtout.
laisse pas de place, ce fils de pute. Coupe le moteur. Thank you.
Infocourse. Tu es en première position, tu mènes la course. Sainz derrière. Notre avance sur la voiture de derrière est de 3,0 secondes. Ils ont de nouvelles gommes médium. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ces gommes. Plus que 5 tours avant l'arrivée. À peu près 5 tours de carburant. Quelques infos au sujet de Verstappen. Il rencontre des soucis mécaniques. Avec notre coéquipier, 18,2 secondes. À peu près 3 tours de carburant.
Infocourse. Tu es en tête, premier. Sainz est derrière toi. L'écart avec la voiture de derrière est de 2,6 secondes. Il chausse des pneus médium usés. Fin de notre stratégie pour l'instant. Tâche de conserver ses gommes jusqu'au bout. Deux tours restants, le prochain tour est...